Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Bon, aujourd'hui je suis dans l'Ariège, dans les montagnes de l'Ariège. Mais il fait bon. On est au mois de novembre, 19 degrés, c'est pas mal. Un peu essoufflé parce qu'il faut que je marche pour accéder au nid. Au nid de quoi? Ben au nid de frelons asiatiques. Vous allez voir son emplacement, qui est plutôt sympathique. Je vais poser ça. Il ne manquera plus qu'à aller chercher la poudreuse. Je vais vous montrer où il se cache. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Regardez la petite tache au-dessus. Vous avez vu cette tache? Bon, ben un toit en ardoise, hein, c'est normal dans l'Ariège. Il neige un peu plus souvent que sur Toulouse. Hein, mais c'est pas un problème pour Dédé. Alors, si je vais faire, je vais chercher la poudreuse, m'habiller et on va aller voir ça. Allez, à tout à l'heure. C'est parti pour le combat. Combat dans l'Ariège. Allez, un peu d'escalade. Allez, on arrive au nid. Regardez-moi ça. Bon, ça y est, je suis repéré. En quelques secondes, ils sont là. Il y a du monde. Énorme attaque. Bon, on va essayer de trouver le trou et mettre la poudre. On va poser la première gauche. Allez Dédé, j'ai mis la poudre, je vais attendre un petit peu parce que je sais pas la grosseur du nid, la profondeur, donc on va voir si ça sort blanc, mais bon vous voyez, il y avait du monde, et pourtant on est le 5 novembre, donc les frelons ils sont toujours actifs. Regardez la GoPro. Hein. Regardez mes antennes. Oh mes antennes, regarde le petit frelon, il est là.
Pour les abonnés qui m'ont dit que les antennes ça me protégeait, ben je crois que c'est fini, ça marche plus. On va voir si ça sort blanc. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est quoi ici celui-là? J'ai coincé le dard. Je suis mort de rire. Regardez ça, comment il s'est coincé le dard. Bon, on est bien là. Bon, je pense que je l'ai touché le nid. Bon, vous avez vu ça? Où ça se met les frelons? Un peu partout. Il manque le soleil, la petite bière. Bon, vous avez vu en fait tout ça le dessus là. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est de l'isolation. C'est pour que le. Ben, comme il fait de plus en plus froid, du coup il agrandit l'isolation. Donc je pense qu'au début ça devait être que dessous. Et là vu qu'il fait froid, ben, du coup ils ont mis une protection au-dessus. Regardez, c'est quand même assez dur à gratter. Ouais, c'est bien gratté fort. On va regarder comment c'est fait dessous. Vous allez voir. Il y a un petit passage en bois. Et en fait, ils sont là-dedans. Bon, mais voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, entouré de tous ces petits frelons. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt les dédés. Allez, les frelons, on dit au revoir. Avant de mourir, on dit au revoir. Les abonnés, ils vous aiment bien quand même.